Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un objectif pour les smartphones. Donc cette vidéo sera un peu plus courte que d'habitude, hein, parce que je vais vous présenter qu'un seul objectif, donc c'est celui-ci. Hop. Donc c'est un zoom, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un... Il peut zoomer jusqu'en x18. Voilà. Bien sûr, à la fin de la vidéo, il y aura un test pour vous montrer comment ça se passe, le rendu. Voilà, donc ça fait environ un an que je l'utilise, donc j'ai plus la boîte ni rien, je sais même plus la marque, mais bon, je vais vous mettre un identique en description. Donc il est fourni avec une pince pour que vous avez juste à visser et à mettre sur le téléphone. Simplement. Donc c'est compatible avec, comme c'est une pince, avec tous les smartphones en principe. C'est un zoom qui est vraiment excellent. Je vais vous mettre quelques photos en ce moment où je vous parle. Des photos prises avec ce zoom, donc des photos de la lune par exemple, ou des photos de paysages plus loin. Bien sûr, la qualité se dégrade énormément en utilisant ce zoom, mais c'est cette taille et c'est pour le prix de 20€. Donc la qualité est quand même très très correcte. Donc on se retrouve pour le test de ce zoom. Donc je vous conseille, pour avoir vraiment une qualité nette, sans... parce qu'il faut savoir que c'est tellement c'est très très zoomé avec. Donc en fait, je vais vous faire une démonstration. Dès que vous bougez, vous le ressentez. Donc je vous disais, hop, par exemple, on va zoomer sur le rideau. Bon, là je suis un peu près. Je vais vous montrer ce que ça rend dehors. Mais vous voyez, vous pouvez pas prendre une... être stable. Là j'essaye de... je bouge pas. Hein. Enfin, j'essaye de pas bouger, mais vous voyez. Donc, voilà. Donc, pour utiliser ça, je vous conseille... un trépied. Donc je mets le lien de ce trépied en description, je l'ai acheté il y a 2 jours sur Amazon. Je vous conseille un trépied, il vous faudra avec ça un adaptateur pour le téléphone que vous donc vissez sur le trépied et ensuite vous insérez le téléphone et puis ensuite vous connectez, vous mettez ça, vous le réglez bien sur votre objectif et après bah, je vous montre, voilà. Hop là. Donc après, bah, ça vous le réglez. Hop. Il y a des petites taches noires en effet sur les côtés, mais ça, si vous l'ajustez bien, ça se verra pas. Voilà, là c'est pas mal. Et donc là, on va essayer de voir le banc. Non, hop, le banc qui est ici. Bon, le pot de fleurs là-bas. Très bien. Juste tourner la molette sur le zoom pour rendre le truc le plus net possible et voilà. Donc là, voici. Voilà, là, voilà la qualité de zoom. C'est quand même très correct, comme vous pouvez le voir. Là, sur le trépied, vous voyez, je suis hyper stable. Je peux bouger avec la poignée. Hop là. Sans aucun souci. Après bien sûr, là, je suis en vidéo. Et je vous filme aussi avec l'iPhone, donc je peux pas vous montrer ce que ça rend en photo. Mais ce qu'il faut savoir en photo, c'est que vous pouvez aussi ajouter le zoom du téléphone. Bien sûr, ça sera encore pire pour la qualité vidéo, photo. Mais vous aurez un rendu beaucoup plus zoomé. Donc plus de x18. Donc c'est assez intéressant. Donc voici un zoom pour téléphone pour 20€. Attendez, hop, on va juste... très correct. Bien sûr, en fonction de la distance, hein, vous pouvez ajuster l'objectif pour le rendre le plus net possible. Voilà, c'est tout en tout cas pour cette vidéo. C'était une petite vidéo, c'était juste pour vous montrer ce zoom que je trouvais très sympa.
Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo.